Durant leur visite sur un marché d'artisanat de Rabat, le prince Harry a eu un geste tendre envers son épouse, Meghan Markle. Un de plus qui s'ajoute à ce que le couple a multiplié tout au long de leur voyage. Le voyage de Meghan Markle et du prince Harry au Maroc touche à sa fin. Arrivé samedi 23 février en grande pompe pour ce qui sera le dernier voyage officiel de la duchesse avant son accouchement, le couple royal a dû en 3 jours assurer de nombreux déplacements. Très attentifs l'un envers l'autre, ils n'ont également pas manqué de montrer leur complicité et de multiplier les délicates attentions et autres gestes tendres. Pour leur dernier jour, le duc et la duchesse de Sussex se sont rendus sur un marché d'artisanat à Rabat. Une visite où le prince Harry a eu un geste vraiment mignon envers son épouse. Un des artisans a en effet offert à Meghan Markle un collier, qu'il a placé autour de son cou. Tandis que la duchesse regardait le bijou, le prince Harry a soulevé ses cheveux pour faire passer le collier dessous. Petit bonus, le duc de Sussex lui a ensuite affectueusement passé la main dans le dos. Des gestes affectueux que Meghan Markle et le prince Harry n'hésitent jamais à échanger en public. Lors de leur arrivée au Maroc, le couple royal s'était montré particulièrement tactile. Au cours de leur visite, on a pu les voir se donner la main tendrement et voir, à l'occasion, la duchesse poser la tête sur l'épaule de son époux. Par ailleurs, ce dernier s'est également permis une petite blague au cours du séjour. Tandis que de nombreuses personnes ont félicité la duchesse pour sa grossesse, le prince Harry a rétorqué en plaisantant, « Quoi, tu es enceinte ?» Une plaisanterie à laquelle la duchesse de Sussex a répondu surprise, avant que son époux n'ajoute, « Est-ce que c'est le mien ?»